Et re tout le monde, j'enchaîne le troisième épisode et je pense même le quatrième. Donc, je vous le rappelle, on était à Clémentiville, on a capturé deux autres Pokémon, Razenko et Maxifar. Je pense pas que le Maxifar était type plante tout de suite, donc du coup, je pensais qu'il était type eau. Donc du coup j'ai pas pu voir vos commentaires pour l'accélération non plus, donc pour l'instant je l'utilise encore hein, pour les trucs pas très utiles, enfin c'est ça, hein, c'était bizarre, il y a que des Pokéballs maintenant ici. Bon écoutez c'est pas grave, on va peut-être prendre un antidote au cas où. Là, donc, pardon, excusez-moi, on arrive à Clémentiville comme je vous le disais. Notre maman nous a parlé de notre papa. À mon avis, il doit être ici. Alors, ville assez sympa. Qu'est-ce qu'il a eu? Mon visage se reflète dans l'eau. Je vois un grand sourire plein d'espoir. Ça pourrait être aussi l'expérience d'un silence lugubre luttant contre la peur qu'exprime le reflet de ton visage. Oh là. Alors lui. Ah, une arène. Qu'est-ce qu'il a eu? Ah, tu es peut-être un dresseur qui débute. Tu sais que le fond de... Tu sais ce que font les dresseurs des Pokémon en arrivant dans une ville? Ils commencent par vérifier quel type d'arène se trouve dans la ville. Ah, bon bah, j'ai obligé de la faire alors. Tu vois, c'est l'arène de Clémentie. Ce panneau indique les arènes, cherche ce signe quand tu veux en trouver une. Non, en fait, ce qui m'intéressait surtout, c'était le panneau qu'il y avait là. Ah, mais putain! Mais bon, elle est là. Oui, je vois cette arène. Bon, bah, elle est tombée, j'ai dit, allez, écoutez. Voilà. Tiens, mais c'est toi, Dark. Alors, le déménagement est fini? Je suis surpris de voir que tu as réussi à venir jusqu'ici par toi-même. Oh, je vois. Tu as donc tué avec tes Pokémon. Je suppose que tu vas aussi devenir dresseur, Dark. C'est une très bonne nouvelle. J'attendais ça avec impatience. Oh, j'aimerais avoir un Pokémon, s'il vous plaît. Hein? Tu es... Oh, mais oui, tu es Timmy, n'est-ce pas? Je vais dans ma famille à Vergazon, comme je savais que j'allais être seul, je voulais attraper un Pokémon. Je voulais attraper un Pokémon en route, mais je n'ai pas réussi. Je ne sais pas comment faire. Je vois. Dark, tu as entendu? Va avec Timmy et assure-toi qu'il attrape un Pokémon sans risque. Tiens, Timmy, je te prête mon Pokémon. Bon, il reçoit Zigzaton. Oh, waouh, un Pokémon! Je vais aussi te donner une Pokéball. Allez, file! Putain, j'ai du mal à faire les voix là. Voilà. Oh, waouh, merci! Dark, tu veux bien venir avec moi, vraiment? Bon, bah, si je suis obligé, hein. Bon. Si mes souvenirs sont bons, c'était un Tarsal, mais bon, vu que là, les Pokémon de zone sont changés. Dark, les Pokémon se cachent dans les hautes herbes, comme celle-là, pas vrai? Observe-moi et regarde bien si j'arrive à attraper incorrectement. Alors, ah, hop, d'accord. L'originalité. Bon bah c'est bien Tarsal du coup. Zigzaton, go! Le 7. Allez, charge. Bon là on regarde le combat, hein. Je peux pas, c'est pas moi qui le fais. On va voir s'il le fait bien son combat. Pour ceux qui ne connaissent, enfin qui débutent Pokémon ou qui ne connaissent pas vraiment Pokémon, généralement le mieux pour attraper un Pokémon, bon après moi c'est ce que je pense, hein, c'est de l'affaiblir au maximum. Donc faites-lui le nom, regardez combien votre attaque que vous lui faites en continu, faites de dégâts. Et au fur et à mesure, donc là par exemple je vous conseille de faire 3. Bon, il en a fait que deux, mais je vous conseille de lui baisser la vie au maximum. Du coup, ensuite vous avez baissé, donc vous lancez la Pokéball, l'Hyperball ou n'importe. Et du coup, vous devez attendre qu'il bouge 3 fois, que ça fasse des petites étoiles. Et ça veut dire que vous l'avez capturé. Donc là voilà, une, deux, trois. Et voilà, des petites étoiles. Donc voilà, donc là il a capturé son premier Pokémon qui est un Tarsal. Donc là, il était obligé de le capturer, hein. C'est une cinématique et tout, on peut rien y faire. J'ai réussi? C'est mon Pokémon? Merci Dark, retournons à l'arène.
Alors, ça a marché? Oui, en effet, merci, je vous rends votre Pokémon. Dark, merci de m'avoir accompagné. C'est grâce à vous deux que j'ai pu attraper mon Pokémon. Je promets de bien m'en occuper. Oh, maman m'attend, j'y vais. À plus, Dark. Bon bah voilà. Bon, maintenant, Dark, si tu veux devenir un dresseur, un bon dresseur, voici mon conseil. Va à Méroville, c'est la ville qui se trouve un peu plus loin. Là, il te faudra battre le champion Roxane. Ensuite, rends-toi dans les autres arènes et bats les champions. Tu dois obtenir leur badge, compris? Bien sûr, je serai un champion. Un jour, on s'affrontera à Dark. Mais avant, il va falloir améliorer ton niveau. Bon, par contre, j'ai remarqué, il prononce vachement notre nom. Enfin, je sais pas, il a dû le prononcer au moins 4 fois dans 4 phrases d'affilée. C'était un peu. Du coup, on n'a pas perdu de PV. Non. Ah oui, je vous avais dit que. Ah ouais, j'avais tellement envie de continuer que je vous avais dit que j'expérais un petit peu mes Pokémon. Du coup, je le ferai. Maison de Timmy. Ah, mais il habite juste à côté, ok. Bon, alors. Ah. J'ai failli dire qui c'était. Hey, excuse-moi. Laisse-moi devenir. Pourquoi je parle comme ça? Bon, c'est pas grave. Laisse-moi deviner. Vu les vêtements que tu portes, ce serait pas un dresseur Pokémon par hasard? Peut-être pas. Tes vêtements ne sont pas si sales. Tu es soit un dresseur débutant, soit un gamin ordinaire. Je parcours le monde à la recherche du dresseur de talent. Désolé de t'avoir fait perdre ton temps. Ah, l'enfoiré, dès le début, il te rabaisse, quoi. Oh là là. Ah, un petit para. J'accélère un petit peu. Ouh, empoisonné. Ça va faire mal, par contre. Hop là. Ah, il perd trop de vie. En plus, le poison s'arrête pas dans cette génération. Allez, s'il vous plaît. Hop. Bon, bah du coup, je XP-erai au prochain, je vous le promets. Si j'y pense, hein, excusez-moi, parce que là j'ai enchaîné, j'y ai pas trop pensé. La prochaine fois, je vais essayer. Alors. Qu'y a-t-il? Un granivole. Pas trop intéressant. Non, pas trop intéressant. Alors là, il y a une cabane. Cottage du Marco. Ouais, mais en fait, c'est vraiment. Grand marin, il craignait la mer, mais déchaîné. Ouais, c'est vraiment Battlefire en. Pas trop modifié en fait. Bon, il est pas là, Marco. Marco, il est pas là. Des dresseurs. J'ai attrapé ce Pokémon qui a l'air super fort. Oula, pourquoi j'accélère? Il y en a un, je ne sais pas quoi de magique chez lui. Je suis sûr qu'il est très fort. Ouais. Je suis sûr qu'il va nous sortir un Magikarp. C'est obligé. Ils sont obligés de nous sortir un Magikarp. Allez, voilà, j'étais sûr. Niveau 9 en plus, putain. Limite, ça serait bien d'XP notre petit Razenko. Du coup, ouais, je pense que Maxi Machin le dit, enfin. Ah, Nénupiote, je pense que je ne vais pas l'utiliser du coup. Ça, c'est long le combat là. Ah ouais, non, mais ça va durer combien de temps? Je vais accélérer tout ça parce que ça va durer un petit moment. Heureusement que Trempette ne fait pas de dégâts. Allez, et voilà. Alors, Gondai 18, Razenko 18, c'est tout? Il a failli passer le niveau suivant, déjà ça. Du coup, on va peut-être mettre Razenko en premier. Du coup, je pense que je déposerai, ouais, Nénu Mexifar dans le PC la prochaine fois. Vivement qu'il apprenne une attaque type plante, ça pourrait être utile. Là, vu que sur la plage il y a beaucoup de typos normalement. C'est trop cool de laisser des traces sur le de pas sur le sable. Voilà. L'occupation d'un enfant au lieu d'aller à l'école. Ah, niveau 5. Et bah moi aussi, écrase face. Ouh, il est plus rapide que moi, ça va être problématique.
fait mal, hein. Il a l'air d'avoir plus de PV que moi en plus. Ah, j'attaque en premier cette fois-ci. Mimique, parfait. A mon avis, je peux le tuer. Deux attaques. Ouh, la défense par contre. Ah, enfoiré. On va prendre le risque. On va envoyer Gondai. Hop. Du coup, il va faire charge. Ok. Il rate, parfait. Du coup, hop. On lui fait une petite morsure. Voilà, c'est parfait. Parfait. Volvi. Ah, voilà, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ok. Granupio. Du coup, on va envoyer Razenko. Ça va vite être très chiant, hein, donc je vous préviens. Je vais le switcher. De toute façon, je pense que j'allais pas le laisser mourir. Je ne suis pas si bête. Granupio. Ouh, patience. Ouh là là. Je sais pas. Ça va lui faire mal, ça. Ouais, ça va. On a 3, 2 tours du coup. Là, il va envoyer la sauce normalement. Ou alors encore une. Ah, il a eu la trouille. Ça, c'est bien. Ah, ça, c'est sympa. Du coup, il est KO, Razenko gagne 55, et il passe au niveau 7, parfait, Gondai, ah, bientôt niveau 8. Bon bah voilà, waouh, j'ai du sable dans mes chaussures, elles sont dégoûtantes. Voilà, voilà, normalement, il y a une dressage là aussi. Hein? Oh non, je ne suis pas dresseur. Mais s'il y a un échange de regards entre dresseurs, c'est le combat assuré. Tu ne veux pas te battre, reste hors de leur vue. Oui, mais sauf que je veux me battre. Et oui. Allez, on va accélérer un petit peu. Enfin, on n'accélère pas, on sprint. Nos belles chaussures de sport. Oh, l'abruti. L'abruti. J'ai coupé mon chrono. On va dire qu'on est à 12 minutes environ. Donc voilà. Ah. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Putain, mais n'importe quoi. Oh la vache, n'importe quoi. Bon, j'ai pas le capturé. Écoutez. Oh, peut-être quoi que. Après, il y a des Pokémon, quand je vous dis, je les serai dans les PC, donc. Mais bon. Ah, il y a des B là. B au rang en plus. Deux B au rang, parfait. Donc là, j'accélère aussi pour pas vous faire pas trop de temps. Alors, qu'y a-t-il dans cette zone? Chétiflore, ouais, niveau 7, pas trop intéressant. Un dernier, noix de coco, le neuf, noix de coco, sans dilution je crois. Alors bonjour mademoiselle. Le destin nous a fait nous rencontrer, accepterais-tu un petit combat? Oui, bah oui, si tu veux. Puis si c'est le destin, tu pourras pas me donner ton numéro et tout. Voilà. Écoute, hein, le destin nous a rassemblés, j'accepte le destin. Bref, petit Volvi, c'est efficace, ça va, même si je pense que, ok, ça me baisse la défense, pas grave, on va faire un écrase-face, donc ça fait pas beaucoup de dégâts, cool, ouh, lui par contre il fait mal, hein. Là on va faire un petit Volvi, pour se régénérer un petit peu, parfait. Mimique. Ah mais oui, c'est parce qu'il a baissé ma défense. Du coup là je vais me régène. Ah et par contre là s'il me fait une prochaine attaque, je suis dans la merde. Pas de
charge, s'il te plaît. Ah! Oh non! Mais non! C'est pas du jeu, ça. Tiens. Allez. Mimique, por favor. Ah, mais il est chiant! Il fait trop mal en plus, c'est abusé. Ah, Mimique, oh, par contre là. Je pense que si je le tue pas là. Ça va. On a eu de la chance. Bon bah voilà, on l'a tué. ...90, parfait. Niveau 8. C'est parfait. On a battu Mademoiselle Sandy. Oh, ça alors. Ouh, on a gagné pas mal d'argent. Mais on va aller soigner une petite Arco. On va pas y accéder là pour l'instant. Bon, on a le 9 là, allez, dégage. Du coup, je vais en profiter pour déposer... le petit Nénupiote. Bonjour, au revoir. Allume le PC. PC de 3 petits points d'interrogation. Ah non, mais non. Moi, je veux déplacer. 8 et 8. Monter notre petit Dravi cette fois. Donc là on doit en être à 18 environ, 18 ou 17, un truc comme ça. Donc on va bientôt se laisser. Hop, on monte. Ah, franchement c'est abusé les Pokémon qu'on trouve dans les hautes herbes. Je pense pas. Ah, le bois de Clémenti. Bonsoir. Allez, allez. Mon équipe de Pokémon insectes. Ah, il en a 4, il doit pas être bien au niveau. Oh. De la pâtée. Petite morsure. Ou presque. Donc je vois ici je peux les one shot du coup avec Frenzy pour aller plus vite. Bon du coup je pense que je vais pas XP pour l'instant vu qu'ils sont à peu près corrects les niveaux. Voilà, niveau 9, c'est correct. Ah bon bah gros dieu c'est pas très utile mais bon on dirait il a déjà deux attaques. Donc, on va changer. Arco. Je sais pas à quel niveau il évolue notre petit Drabi, on verra bien. Hop. Bah si il loupe c'est encore mieux. Ah la vitesse, ouais. Mais Arco, normalement, si je me souviens bien, est rapide de base. Ça doit être le starter le plus rapide des trois. Donc on n'a pas de souci à se faire. À moi, je sais plus sa nature. Il faudrait que je les note un jour. Et bien, pourquoi changer? Pourquoi m'occuper des natures alors que je ne le faisais pas avant? Hein? J'y arrivais bien comme ça avant. J'ai bien fini beaucoup de jeux Pokémon comme ça avant. Pourquoi changer? Je pense qu'on a plus intéressé aux natures maintenant. On va jouer comme je jouais avant. Donc je pense qu'après ce dresseur, on va se laisser ici. Hop. Niveau 9, parfait. Chenipote. Du coup, on va changer.
Dragondai. Et après ce dresseur, on va s'arrêter ici. Je pense enchaîner encore un épisode. Frénésie, on va voir combien ça lui fait. Si ça le one shot. Oh d'accord, ça lui fait rien. Ça baisse la vitesse. C'est pas grave. Et hop. Donc voilà. On a nos deux Pokémon sont niveau 9. J'avoue, j'ai lu je suis une grosse merde. J'avoue, j'ai lu ça. Enfin, non, je regarde, mais je crois bien que j'ai lu ça. Bon, bah écoutez. Hein? Oui, bon, allez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça me fait très plaisir. Donc, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et je vais enchaîner. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter pour à commenter tout simplement. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde.